Bonjour à tous, aujourd'hui c'est Instant Métier avec Vitrine Média, rendez-vous avec David. Il dirige l'agence David Dosres Immobilier. Je vais lui poser quelques questions, vous allez voir, ça va être super intéressant, suivez-moi. Alors ce changement de nom, justement, quand on est implanté depuis de nombreuses années sur un secteur et qu'on doit changer de nom, est-ce que c'est facile? Comment on s'y prend finalement? Alors non, c'est pas facile, parce qu'il faut déjà, en plus d'un nom, amener un concept, amener une signature. Et c'est vrai que dans ce changement de marque, on a réfléchi à comment se différencier aussi par rapport à la concurrence. Surtout sur notre ville de Houille, on est sur une place avec 4-5 agences au même endroit. Et on a voulu se différencier dès le pas de la porte. Dès que vous ouvrez le pas de la porte, on a voulu cultiver cette proximité et on a enlevé les bureaux. On a enlevé les bureaux dans nos agences. Nos assistantes vous accueillent dans des cuisines. On a un coin salon pour toutes nos découvertes acheteurs, vendeurs. On expose aussi nos estimations et nos biens sur des télés dynamiques. On a un petit coin bar pour faire des échanges avec nos clients. Et un petit coin salle à manger aussi pour se poser un peu plus en intimité. Et une salle de signature. Donc ça a vraiment été fait pour amener de la proximité avec notre clientèle. Ok, un changement de marque orienté sur la proximité, on recentre l'humain au cœur des sujets, c'est bien ça? Exactement, d'ailleurs si vous allez sur notre site internet ddrimmobilier.fr, on a l'humain au cœur de la marque. On fait pas mal d'événements sur nos villes avec la mairie, avec des associations. Et la différenciation, notre différenciation se marque sur le fait de prêter gratuitement nos agences. On offre la possibilité à un entrepreneur ou à un nouvel artisan qui s'installe sur la commune de pouvoir présenter ses produits au sein de notre agence totalement gratuitement. Donc là, ça veut dire qu'aujourd'hui, je suis commerçant dans cette commune, j'ai un événement à proposer, je peux utiliser tes locaux et puis venir présenter mon activité. Tout à fait. Là aussi, c'est innovant. Ouais. C'est innovant, justement, on fait rentrer les gens, même s'ils n'ont pas de projet immobilier, pour faire découvrir aussi notre concept. Et ça amène une visibilité aussi pour nos clients qui nous fassent confiance dans leur projet de vente ou d'achat. On a une visibilité et une proximité avec des clients qui sont hors contexte de l'immobilier et qui fait après le bouche-oreille sur la marque. Et c'est quoi le retour de tes clients justement par rapport à ce concept un peu nouveau finalement? Tout à fait. Les clients déjà sont très surpris quand ils passent le pas de la porte. Ils se sentent vraiment comme à la maison et on les reçoit comme à la maison. Et le fait d'avoir cette proximité où on offre quelque chose de gratuit, ça se fait de plus en plus rare aujourd'hui. On est beaucoup sur du business, de développer du business, alors que nous, on offre gratuitement nos locaux. Alors vous avez entendu, c'est comme à la maison, venez, il y a les canapés, il y a le bar, tout est là, vous serez bien accueillis justement chez DDR Immobilier, on est à Houille dans le 78. On a même le petit frigo avec les jus de fruits qui vous attendent et la petite cafetière au niveau de la cuisine.